Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, mais savons-nous à quoi il ressemblait à ses débuts? Durant cette vidéo, nous allons tenter de découvrir l'histoire du web design depuis 1998. Au tout début, les écrans ne se composaient que de lignes de texte sur fond noir, mais au fur et à mesure des années et des innovations, le web a bien évolué. Retournons en 1998 grâce à la Wayback Machine et ses milliards d'archives. C'est parti. 1998. Le CSS vient d'être inventé et les développeurs commencent à penser qu'ils peuvent rendre leur site plus accessible et plus agréable aux nouveaux utilisateurs. La mise en page s'améliore de jour en jour. 2000. Le design est de moins en moins perçu comme optionnel. Beaucoup de sites commencent à s'y mettre pour être de plus en plus agréables aux nouveaux utilisateurs. On remarque d'ailleurs de plus en plus de couleurs. Mais comme on peut le constater, la hiérarchie des éléments est à revoir. Les sites sont très remplis pour contenir un maximum d'informations, au détriment du confort de lecture. 2007. Les sites se remplissent de 3D et de boutons soulignés. Il s'agit de faire comprendre à l'utilisateur où il peut ou ne peut pas cliquer. 2010. La démocratisation des smartphones à écran tactile pousse les développeurs à adapter leur site à ces différents formats. C'est l'avènement du responsive. Les utilisateurs, maintenant habitués au web, n'ont plus besoin de boutons en 3D, ce qui nous mène au flat design. 2018. La grande majorité des sites sont responsives. Il est maintenant plus judicieux de penser son site en mobile first. Dorénavant, les sites se mettent en valeur grâce à une mise en page originale et à des animations. 2019. Avec l'émergence de nouvelles disciplines comme l'UX design, le web design changera encore plus rapidement. Il ne nous reste plus qu'à l'imaginer.